Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Okan Battle, une vidéo consacrée à de nouveau un test de team, plutôt test d'unité, parce que la team on l'a déjà testé, elle l'a ressuscité. Et oui, il s'agit entre autres du fameux Oob LR Free to Play que vous pouvez récupérer avec grâce aux souvenirs de combat après avoir rushé et accompli les missions du fameux Battlefield au fur et à mesure que vous réussissiez. Donc moi je l'avais packé tout l'ensemble de ces souvenirs de combat pour justement dropper, pouvoir récupérer ce Oob avec un doublon. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai directement pris un doublon et débloqué sa branche en bas à droite. Et bien évidemment j'allais forcément il est plus intéressant que débloquer et racheter des guignous alors qu'il est complètement dépassé. Celui-ci est pourri, on va pas se cacher. Donc voilà, ça va faire son petit test à lui, voir ce qu'il vaut. Une carte assez mitigée, on aura l'occasion d'en reparler. Mais sinon c'est un excellent leader en plus alternatif si vous n'avez pas le Golden Freezer Intelligence. Parce qu'il fait quand même qu'il plus 3 points de vie attaque et def plus 100% pour la catégorie ressuscité, donc ce n'est pas rien. Et vous n'avez pas, donc ils sont trois de toute façon. Il y a maintenant, il y a Freezer, il y a Golden Freezer, il y a Oob, et il y a maintenant aussi le LR Broly LR Tech qui est également un leader alternatif. Donc voilà, ça nous fait trois unités pour la catégorie ressuscité, ce qui est pas mal. Mais donc voilà, donc du coup, je vais vous présenter la team que j'ai composée sur l'ensemble des unités de la catégorie ressuscité. Donc forcément le leader, hein, Golden Freezer Range, qui donne quoi? Qui est plus 3 points de vie, plus 130%, attaque et def, plus 170%. Il a attaque et def, moins 15% pour les alliés ennemis de type super. Donc c'est un peu un inconvénient pour les alliés super, et nous on en a un, parce que moins 15% c'est quand même pas rien. Sinon, bon, il a attaque plus 150% personnel et def plus 50%. Le Oob à côté, donc lui, qu'est-ce qu'il a? Il a plus les PV sont élevés, restant sur lui, plus l'attaque, plus le ki, il va jusqu'à ki plus 6, l'attaque et la def augmentent jusqu'à, et ça se stade jusqu'à 90%. Donc pas négligeable, surtout grâce à ce passif de ki plus 1 chaque tour, enfin au moins ça va jusqu'à ki plus 6. On y viendra plus, je vous expliquerai pourquoi, je pense. Il proc la transformation en dessous des 40%, mais évidemment, les PV sont à 40% et moins, et ben, ils se transforment. Et là, c'est autre chose, parce que voilà, pour arriver à maintenant en dessous de la barre des 40%, c'est de plus en plus difficile, j'ai envie de dire. Voilà, nous, on a là maintenant, pour ma part, j'ai l'habitude de tout le temps rester à 80-70%, mais jamais en dessous des 50%. Enfin, rarement, très rarement, bien évidemment, ça dépend des événements, les types, mais voilà, on a quand même tendance à être de moins en moins dans ce niveau-là, donc c'est quand même compliqué d'aller proc cette transformation. À côté de lui, nous avons le fameux Goku SSJ3, les amis, attaque plus 120%, et attaque plus 20% à chaque sphère de Ki Rainbow obtenue, donc monstrueux, chance également rare, il peut étourdir lors de son attaque SP. Le kit boost ZTUR Endurance, l'un des meilleurs supports du jeu, est donc très bon pour cette catégorie ressuscité qui donne qui plus 2 attaques d'elle plus 50% si les PV sont à 80% ou plus. Et en dessous des 79% et moins, il donne plutôt attaque et def plus 30%. Ça reste toujours intéressant. C'est le seul lien qui n'a pas. La seule unité qui n'a pas le lien qui. Enfin, récupération. L'ensemble de la team récupération qui donne qui plus 2. Et forcément pour aider le LR à partir plus facilement en SP. Ultime, Oob bien évidemment, qui a deux liens de ki, le récupération ki plus 2 et le lien GT. Alors le lien GT c'est un peu compliqué parce que on ne le trouve pas en de mémoire, sauf si je n'ai pas les unités en ressuscité. Donc c'est ce qui est un peu compliqué, c'est pour ça que j'y reviendrai par rapport à son passif. À côté encore, le CLZ TUR n'est plus à présenter, attaque et def plus 15% à chaque sphère de ki obtenue, et ki plus 1 à chaque sphère de ki rainbow obtenue. Et on termine par le fameux Tapion Tech qui est excellent également, attaque et def plus 80%, il a chance moyenne de critique, donc c'est pas rien. Et pareil, il transforme les sphères de Kim sans puits en sphères de Ki Rainbow. Donc lui à côté de Goku SSJ3, autant vous dire que c'est une bête, parce que à chaque sphère de Ki Rainbow obtenue, les Goku SSJ3 c'est attaque plus 20%, donc ça peut monter très haut en plus déjà de son passif d'attaque plus 120% personnel. Donc voilà les amis, on va le faire en boss rush 5, hein. On va essayer de tenter un peu de la difficulté justement pour proc la transformation, surtout du Oob LR, de le voir dans toutes ses phases. Donc voilà, 403 000 PV, c'est pas négligeable, en même temps le leader il donne que PV plus 130%, donc voilà, il est plus axé sur l'attaque et de la def. Mais voilà, 403 000, ça reste quand même correct. Donc on va essayer de ne pas partir tout le temps en SP.
Justement, même pour essayer d'en perdre rapidement et ne pas trop tarder. Ouais, non, mais genre, essayer de casser des rotations. Voilà, parce que le but c'est quand même de montrer Oob dans toute sa splendeur, on va dire, dans toutes ses formes. Alors, il n'en a qu'une, enfin deux, la porte de base et la transfo, mais justement, pour proc la transfo, il faut quand même arriver à 40% et c'est pas rien. Donc, je vous disais, les amis, hein, une team. Essentiellement basé sur le lien récupération qui plus 2, donc qui va nous aider facilement pour le Oob à partir en spé ultime. Hein. On va déjà regarder, hein. Voilà, regardez, à deux liens de qui de sa transformation. Voilà, ça va être embêtant par contre, les deux bases, qui va être le terminer avant. On va faire ça. On va voir déjà de base sa spé. J'aurais dû peut-être présenter sa spé de base avant sa spé ultime. On verra après de toute façon, bon, il l'aura torché. Donc je vous disais tout à l'heure, voilà, une unité mitigée, de par la catégorie, parce que du coup, voilà, les liens qu'il a, ils sont compliqués à proc. Bon, il y a quelques liens comme Jugement Serein qui fait défense plus 20%, bon ça va, mais après, surtout en termes de ki, comme vous savez, c'est les ki qu'on recherche pour partir facilement en spé, et une team surtout. Enfin, c'est DLR, et là, voilà, il a vraiment que le lien récupération. Bon, on a pas mal d'unités qui ont ce lien-là, de récupération, et c'est tant mieux. Bon, c'est bien, on va casser la rotation. On devrait se prendre pas mal de dégâts si Goku et CJ3 part en spé. On va faire ça. On va faire ça. Donc voilà, le lien qui... Donc c'est pour ça qu'en fait, à mon avis, les développeurs ont axé sur un ki plus 6. Du moins qu'il a les procs au fur et à mesure des tours. Ça peut stacker jusqu'à qui plus c'est pour partir facilement en spé à cause justement des catégories. Il est en catégorie ressuscité. En catégorie transformation fortifiante, je pense que ça devrait être autre chose. Malheureusement, je n'ai pas le leader pour pouvoir le jouer encore. Je n'ai pas le bout. Mais donc voilà, je fais avec ce qu'on a hein, comme moyen de bord. Alors là, quand même, torché, il n'a pas pris beaucoup de dégâts. On va essayer de ne pas partir en spé ultime. Histoire de voir sa première spé. Ce qu'elle vaut. Donc mitigé, hein, vous avez vu sa spé ultime tout à l'heure, elle est basique, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de ouf, c'est pas transcendantal, c'est pas quelque chose voilà, d'oufissime qu'on peut connaître chez DLR, et là c'est un simple Kamehameha. À la rigueur peut-être le beau plan à la fin de la boule là, qui grossit une fois qu'il termine son Kamehameha, mais bon, pour DLR, il y a quand même beaucoup plus sympa, même free to play. On va pas se cacher. Voilà, je vais casser les routages obligés. C'est beaucoup trop facile, on va. Et à côté, heureusement qu'on a 400 000 PV. Si donné PV plus 70, serait à 500 000 et quelques là. Avec le double leader à 100%, les ZER un doublon. Le Oob avec un doublon également. Allez, ouais, forcément. Alors, il faut que je mette le mur à la fin. Bon, quand même, il vaut mieux faire des dégâts. De toute façon, voilà, c'est pas l'équipe bon type, donc. Tant mieux, il la récupérera pas. Comme vous savez, à chaque fois que vous mettez les sphères de ki. Le banquier veut récupérer un peu de PV, donc là, nous on va essayer de chercher en perdre justement, comme je disais, pour arriver à la barre des 40%, même en boss rush. Alors, le 5 c'est intéressant, le 6 c'est chiant à cause de Hildegarde et ses esquives, donc du coup, voilà, la vidéo elle peut prendre tellement longtemps, j'ai pas envie de m'amuser à prendre des flûtes. Et le 7, bon, on aurait pu le faire en 7, mais c'est long également, je pense. Donc voilà, est-ce qu'on ira jusqu'à la fin? Peut-être pas, ça dépendra si on proc la transformation plus tôt, ben. On essaiera de jouer un peu justement un peu plus. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça peut être intéressant. On s'y part en spé, il va pas faire si mal que ça. Voilà, ça va être intéressant. Allez, part en spé sur Kidou. Mais 15 000, c'est bien, il a plus surtout 15 000, 15 000, 15 000. Ah super, excellent, de répondre quoi, un bon petit peut-être 100 000. C'est ce que je pensais, 100 000.
Là, on est très très bien là. Et à moins de proc, justement, sa transformation assez rapidement. C'est magnifique. C'est pas ça. Voilà. Par contre, SP. On n'a pas encore proc, malheureusement. Je vais pas partir en SP ulti même si je pouvais. Et ça, je vais essayer de se tonner. Ça, c'est bien. Sans récup de PV. Bon, là, on en perd, même si on perd un peu. Enfin, on va pas en perdre beaucoup et beaucoup, mais. Ça sera trop tard pour le tour. Il sera dead. Et je pense qu'on récupère des PV au prochain. Au prochain boss. Ça, par contre, ça va être embêtant. Alors, je crois qu'on en récup. Ça va, on récup qu'un petit peu. Il y a moyen. Alors là, s'il y a moyen, on va plus faire ça. Ça, il va taper sur le mauvais type. Oui, même en termes de lien, vraiment, qui on n'a pas. Parce que là, j'ai pas fait les bonnes rotations exprès. Pour ne pas l'aider. Enfin, pour ne pas justement trop torcher les boss et ne pas. Là, c'est pas le but, c'est vraiment le but de la vidéo, c'est pour montrer un peu ce que vaut Oob dans tous ces angles. En spé normal, enfin en spé normal, en spé ultime, en transformé, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Alors, on va prendre sa transformation magnifique, voilà les amis. Alors là, le plan il est magnifique, ça c'est beau. Regardez-moi ça, ça c'est beau. Très très belle. Et en plus, voilà, donc l'avantage c'est que il faut arriver en dessous des 40%, mais du coup derrière, il redonne 40%. Voilà, pendant un tour, voilà, il reprend les 40% à laquelle à la base il devait arriver. Là voilà, on va partir en spé ultime, on va voir ce que ça va donner. Super. Donc voilà, du coup voilà, il perd les liens. C'est ça que je vais voter. Pourquoi? Regardez. Il gagne le lien magie. Donc lui à côté de Kid Boost, excellent, attaque plus attaque et def plus 10%. Vous voyez, magie. C'est ça. Donc il a guerrier fusionné. Donc on perd le lien carrément récupération les amis. On perd le lien récupération par je pense étonnant sur sortilège. Et donc du coup on se retrouve avec le lien GT où il n'y a aucun perso qui a le lien GT en ressuscité. Donc ça c'est. Par contre il a attaqué def plus 100%, là ça va faire très très mal. Et il récupère aussi. Il récupère. Change de sphère de ki aléatoire, arc-en-ciel, et ki plus 2. Donc voilà. Le truc habituel qu'on a avec les LR. Là, ça peut faire très très mal. Ah bah ça serait top qu'on part en justement. On va partir en Dokkan mode. 12, vous avez vu? Bon, attaque et def, normalement, ça plus 100%. Donc 13 belles transfos, vous voyez, après c'est vraiment en termes de lien que c'est mitigé. Et à fusionner, vous le trouvez avec les fusions, quoi, forcément, mais. Il rate pas dans la catégorie, ça n'a rien à voir. Donc ça qui. Elle est belle l'aspect, là l'aspect elle est magnifique. Ça c'est catch, le cycle, voilà. Tornade là, 1 800 000, 5 crit. Alors on peut quand même faire mieux. Alors je trouve qu'il tape pas si fort pour un LR, quand même, on va pas se mentir. Et tout plaît, mais on peut dire qu'il a quand même l'avantage de debuff l'attaque. Et c'est ça qu'on va retenir. Voilà. On va faire là, pareil. On va essayer de partir en SP, on va casser les rotations, on va tout laisser tenir. Ah là ça va être embêtant. On va faire ça. On va faire ça. On va laisser de nouveau le LR en un mettre en. La mise en avant du Oob transformé. Esquive. Donc voilà, là c'est bon, on a repris tous nos PV. Alors, on n'ira pas jusqu'à la fin du boss rush, il ne faudra pas perdre forcément du temps, c'est juste pour montrer un peu. Donc voilà, excellente unité, vous voyez quand il se transforme, très belle, très bon passif, attaquer à plus de 100%, il part facilement en spé parce qu'il change les sphères de ki aléatoire en rainbow, il a ki plus 2 à chaque fois. Donc ça c'est très très bien, vous voyez.
Allez, là, voilà. Là, il a lu le lien. Donc, on est à, regardez, 176 000. Et là, il a lu le lien. Comme je dis, imagine qui proc. Donc, attaque et def de 10%. Et là, c'est excellent. Regardez, 123 000 de def. Donc, là, c'est tout un autre. Quasiment, c'est un autre personnage. Voilà, super. Et là, on va le faire partir lui en spé. Ultime. Et là, ça va être ouf ici. 388 000, vous voyez. Donc, là, ça, c'est beau. Ça, c'est même très beau. Alors plus comme on a acquis plus, on est à quasiment 100% full PV, bah forcément le support il proc les caps qui plus 2 attaque et def plus 50%, vous voyez. Donc là 2 millions 66 000, magnifique. Bon, sans crit on aurait eu le double, en plus j'ai un doublon, j'ai tout mis sur le crit. C'est le type AJ, forcément on tape sur le bon type, mais voilà, ça fait quand même plaisir à jouer. Pas se mentir, donc là c'est chiant, c'est le blocage des rotations, mais on va dire que c'est pas bien grave, on s'en fiche un peu. Ça va nous faire durer un peu le suspense encore, voilà. Comme ça on aura vu vraiment, voilà, on aura profité du LR. Sa première, vous voyez, donc sans sa transformation, il part facilement en SP parce qu'il stack les keys de, grâce à son passif. Donc au fur et à mesure, donc voilà, et avec le lien récupération, il part sans problème. Donc on voit que c'est beau, voilà, bon la SP, il fait pas des attaques oufissimes en termes de... En termes de dégâts, mais bon, il réduit des buffs, ça c'est excellent. Oh, bon, déjà, voilà, ok. Ça, c'est pas... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner exprès, histoire de... On est à 100%, mais c'est histoire de capser voilà, la problématique, voilà, de... Voilà, vous voyez, donc on peut faire ce qu'on veut, il sera lié avec personne, sauf Kidbu pour l'attaque et def plus 10%. Mais là, vous voyez, bon, heureusement qu'il change les sphères de ki en rainbow pour pouvoir partir automatiquement. Allez, donc on est redescendu à 90 000, même si c'est très bien 90 000. Donc voilà, c'est mitigé, franchement je suis mitigé. C'est une belle carte, surtout quand il transforme. Hein, franchement là c'est magnifique. Là ça a été beau, c'est bien travaillé, la vague cyclonie. Mais ouais, c'est 70 000. Hein. Voilà, il débuff, c'est bien, mais... Et 21, il ne fait quasiment rien. Mais c'est pas oufissime quoi, vous voyez, c'est pas non plus le LR free-to-play... Et pourtant c'est en leader avec attaque plus 170%, c'est pas comme le Vegeta Intelligence dont j'ai présenté la vidéo et je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu. Et comme vous savez, lui, il avait des stats en point fixe et boosté avec le leader à 170% du LR Vegeta SSJ4LA, c'est devenu bête, c'est autre chose. Avec des stats en point fixe pourtant. Donc vous voyez, mitigé. Là, non, laissez se faire. C'est bien, on va continuer au moins à finir ce. On va finir ce cycle. Ah, je vais t'embêter. On va finir ce cycle et puis voilà, ce sera bien pour la vidéo. Histoire de au moins on aura pu montrer comme je voulais et assez rapidement. Justement, en ayant géré bien les rotations pour qu'on puisse prendre des dégâts sur les bonnes avec les bonnes unités en face. Mauvais chip, etc. Bon, l'esquive c'est pas mal, c'est bien. Bien, Golden. Ouais, très belle carte en soi, donc c'est vrai qu'on l'attendait qu'à patience. Mais j'ai tendance à dire qu'en fait, en restant en forme normale, il est beaucoup plus intéressant parce que grâce au lien qui proc, c'est le top. Mais bon, voilà, j'espère qu'on kiffe toujours les transformations, c'est ça qui reste le best des best. On va aller faire ça. On va lui donner tout ça. Mais voilà, donc vraiment, on peut remercier les sphères de ki. De Key Rainbow. Donc voilà, on est mitigé, c'est qu'on n'a pas l'habitude de perdre quand même des liens comme ça, au moins en termes d'attaque. En fait, il récupère quasi que dalle, quoi. Dans sa catégorie, à part, je vous dis déjà, le lien... Bon, il peut avoir le lien, l'étonnant sortilège, pareil, mais à ses attaques, il est plus 15%, mais faut le proc, il faut déjà descendre à 40% pour qu'il puisse se transformer. Il n'a pas de combat acharné, voilà, il a vraiment que le, pour l'instant ces liens-là, guerrier fusionné qui plus 2. À part le pouvoir légendaire, voilà, ça plus 5000, mais c'est que dalle. C'est voilà, c'est pour ça que je vous dis que moi je me trouve quand même mitigé cette unité-là. Je la trouve mitigée. Je sais pas. Le but recherché étant toujours quand même de.
partir facilement en spé. Donc forcément, sa première forme, c'est la plus adéquate, la plus simple. Partez en ki plus 2, enfin, avec le lien, comme je dis, récupération ki plus 2, ça va, vous êtes tranquille sans problème. Parce qu'en plus, à chaque fois, il stack de son... du ki, comme je vous expliquais. Donc... Plus de ki, là, voilà. On devrait être bien. On a mis des quasiment dernières fois qu'on le revoit. Ouais, son attaque, c'est sûr que celle-ci, elle n'a rien à voir avec la première de Kamehameha simple. Quand même plus jolie, quoi. Ouais, ça sent 42 000. Pas oufissime, hein. 79 000 en propre. Bon, après, forcément, c'est le boss rush 5 qui a quand même une difficulté supplémentaire, donc quand même mis barrière. Mais... Mais voilà, ça nous a permis quand même de voir donc ce hoop dans toute sa splendeur, toutes ses formes. Voilà les amis. Voilà, donc il nous resterait trois phases, mais voilà, je vais pas les faire, c'est juste voilà, tout ce qui m'a porté moi c'était de vous montrer la transformation de hoop, les liens, la synergie de la team ressuscitée dans laquelle il est. Peut-être plus tard un jour quand je dropperai Boom Multiforce, je présenterai une nouvelle fois une vidéo avec lui dans la catégorie. Mais voilà, sur ce, c'était plus le showcase de la team ressuscité. Donc voilà, la ressuscité en soi, elle est terrible. Le LR, je reste mitigé par rapport à ce que j'ai pu vous expliquer. Mais voilà, après, ça n'engage que moi, bien évidemment. Et attention, peu importe, libre à vous de penser ce que vous souhaitez également. Donc voilà. Eh bien écoutez, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, ce test de team, d'unité intéressant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait pour me suivre. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!